tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Pourquoi je dois me brosser les dents des éditions Usborne. Alors, pourquoi je dois me brosser les dents? Pour les nettoyer. Ouais. Et il y a des petits trucs. Aussi pour faire briller et les garder saines. En fait, il y a plein de sortes de machins, là, enfin de... Je sais plus comment ça se dit, mais c'est pas grave. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, par exemple, là. Jour et nuit, un dépôt collant se forme sur les dents. C'est des plaques dentaires. Oh, j'aimerais pas avoir la bouche comme ça, hein. Boissons et aliments collent aux dents. Et oula! Et les abîmes. Le sucre qui se dépose sur les dents se transforme en acide. Plus les boissons et les aliments sont sucrés, plus la bouche est acide et l'acide creuse des trous ou caries dans les dents. Alors, n'oublie pas de te brosser les dents pour éliminer les plaques et les bactéries. Et on n'a pas fini le livre encore. Tout le monde doit-il se brosser les dents? Bah oui, tout le monde. Les premières dents du bébé sont appelées dents de lait. En bas, à droite, à gauche. Même les bébés qui n'ont qu'une dent et les adolescents avec un appareil. Parfois, les adolescents ont besoin d'un appareil qui redresse les dents. Attention, ta dent bouge. D'accord. Et aussi les gens âgés avec un dentier. Quand j'étais petit, j'ai mangé trop de sucreries. Et je n'ai pas brossé mes dents comme il le fallait. Dentier de grand-maman. Oula. Quand dois-je les brosser? Tous les matins. Peu de temps après ton réveil. Après le déjeuner, quoi. Juste avant d'aller au lit. Ensuite, ne bois que de l'eau. Ok. Au moins 2 fois par jour. 2 minutes au moins, un bon brossage demande du temps. 2 minutes, oh, moi je l'ai fait en 30 secondes. Il vérifie que que fait le dentiste? Il vérifie que tes dents soient saines. Et t'apprends comment en prendre soin. Brosse toutes les faces avec application. Va chez le dentiste au moins une fois par an. D'abord, dépose un peu de dentifrice sur ta brosse à dents, puis frotte les dents devant et derrière, sans oublier le dessus. Ce n'est pas si difficile après tout. Ah, encore une page. Oh. Les animaux se brossent-ils les dents? Bah non. Bien sûr, de plus, ils ne mangent pas d'aliments sucrés. Pourtant, ils prennent soin de leurs dents. Le singe. Je me sers d'une brindille en guise de cure-dent. Je savais pas. Cela gratte et nettoie mes dents. À un tronc d'arbre. Ok. Je suis bien aidée. Lui, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Ce petit poisson élimine les déchets de mes dents. C'est un petit poisson. On dirait des anguilles. Je mastique l'herbe. Cela nettoie mes dents. Ah. Moi, je n'ai pas de dents. Bah, on savait ça. À la place, j'ai un bec dur. On me donne un bâtonnet à mâcher. Moi, c'est un chien, ça. C'est pas ce que vous pensez, je galère pas du tout. Pour
garder une haleine fraîche. Moi, ça va, bah, le requin. Mes dents se renouvellent toutes seules. Oh la bouche du requin. Regardez sa belle bouche. Gouzou. Et dernière. Avant-dernière page. Pourquoi les dents de lait tombent? Pour laisser la place aux dents définitives. Dans la bouche d'un enfant, il n'y a la place que pour 20 dents de lait. Les dents de fond aplaties servent à mastiquer. Les dents de devant sont plus pointues pour mordre. Les dents au fond devant sont plus pointues pour mordre. La bouche d'un adulte pour obtenir 32 dents. Peux-tu toutes les compter? Non, j'ai pas envie. Le chaton et chiot sont des dents de lait. Hein? Ah, j'ai cru qu'il y avait marqué chaton et chiot ont une dent de lait ou je sais pas quoi. Ont des dents de lait. Elles tombent aussi, puis nos dents d'animal adultes poussent. Bon, c'est pareil chez les animaux du coup. Les enfants qui ont perdu une dent placent sous l'oreiller. Ah, pour que la petite souris les prenne, non? Pas, attends. Pardon. Ah bah oui, bon, la petite souris. Pour que la fée des dents ou la petite souris l'emporte. Je savais pas qu'il y avait une fée des dents. Certains se lancent sur le toit. D'accord. En espérant qu'une nouvelle dent plus solide la remplacera. Oh là là. Et d'autres l'enterrent. Puis attendre l'apparition d'une nouvelle dent. Ah d'accord. Ah, c'est la dernière page. Le sais-tu, une girafe a 32 dents, bah, comme les adultes, mais n'a pas d'incisive à mâchoire supérieure. On devine l'âge d'un mouton en regardant ses dents, non? Je sais pas. En comptant ses dents d'adulte. J'ai deux dents définitives en plus chaque année. D'accord. Par exemple, s'il a quatre dents, il a deux ans, quoi. Ma belle corne. Et en fait, une très longue dent. Ah bon? Alors là, je savais pas. Ce fossile d'une dent a permis à découvrir un dinosaure. Elle était à moi. L'énorme baleine bleue. Ah, c'est bon, ça, n'a pas une seule dent, je fuite ma nourriture à travers des fanons. Mais c'est pas des dents, ça? Les dents sont plus solides que les os. Mais elles ne se réparent pas toutes seules, alors pense à les brosser. Ah bah oui. Et enfin, mes dents poussent sans arrêt. Pour les user, je dois ronger plein de choses. Voilà, j'ai fini ma lecture. Non? Ah oui. L'animal qui a le plus de dents. Et l'escargot. Je savais pas que l'escargot avait des dents. Hein. J'ai des milliers de dents sur ma langue, les voici grossies. Ah bon? Leur langue, c'est des dents. Bon. J'ai fini ma lecture d'aujourd'hui.